fait là. C'est marqué le texte à lui, nous. Alors, Tito El Jodia, il va montrer nous qui gens pour nous créer donc clé USB multi-boot. Si nous suivons Chanel là déjà, d'un point, pour te montrer nous qui gens pour nous créer une clé USB bootable déjà. Sauf que nous te mettons un seul système d'exploitation sous les. Donc, je ne vous dis pas, nous allons faire une, que nous allons mettre plusieurs systèmes d'exploitation sous les. Donc, ça veut dire ça, pour nous-mêmes qui pouvons connaître, ou même qui n'a apprenti ou plein de domaines dans tout d'ailleurs. Nous avons plusieurs façons pour nous déployer nos machines, pour nous faire installation sur nos machines. Que ce soit machine sérieux là, ou sinon ordinateur portable. Nous avons la possibilité de faire soit avec un DVD qui a un système dans le ou bien avec un clé USB qui a un système dans le toujours, ou bien nous sommes capables de faire avec le réseau à tout, ça nous besoin de Windows Server, ou si c'est sous Linux, soit besoin de Server Phone, pour configurer le système dans le pour Windows, c'est Windows Deployment Services. Donc, je vous dis à. Nous pouvons faire ça, nous avons utilisé un petit utilité qui est Vintoy. Vintoy là lui-même, c'est le même qui va nous permettre de rendre une clé bootable et la bonne possibilité pour nous faire une multi-boot. C'est-à-dire que nous avons promener dans mes bureaux qui est une entreprise. Si vous pas une entreprise, bon, regardez, vous prendre qui vous fait ça. Si vous avez plusieurs étages, par exemple, si on l'a attaqué, on se remachine, on dit nous, mettez la Windows 10. Et bien, n'a pas joué un système dans sous même clé USB que nous pouvons fonctionner avec là. Et surtout, nous mettons Windows 8, n'a pas fait la velle. Si vous nous mettez Windows 7 en côté, n'a pas fait la velle. Et si vous nous mettez X ou tant que Windows XP, bien que ça ne va pas sous encore, n'a pas fait la velle. Tout dépend de ça que nous pouvons mettre sous clé. N'a pas possibilité aussi de mettre l'autre système d'exploitation tant que Linux. Si c'est un routeur virtuel que vous avez besoin, tant qu'un routeur PFC, soit pour mettre le sous-liste. Et si c'est l'autre, tant qu'un Medicat, qui sont des outils même, qui permettent de mettre le driver en pile l'autre bagaille, tant qu'on a fini de déployer la machine, si t'as un problème de driver, on va faire avec le tant qu'on a besoin aussi d'un décompresseur de fichiers, parce que Vintoy a son fichier compressé que lui. Donc, moi, je vais utiliser WinRAR avec aujourd'hui. Donc, c'est 7-Zip, mon tap dit, pour décompresser le fichier. Ou bien pile l'autre encore, on a checké pour nous. Donc, on va faire ça derrière l'ordinateur. On nous suit et puis pas oublier abonner channel là, partager vidéo en like, ok, juste pour nous capable faire bah, fonctionner. Donc là nous sommes sur ordinateur, nous prenons navigateur que nous avons utilisé, peu importe de mettre Firefox et Firefox m'a utilisé, le mettre que nous avons Google Chrome ou Opera Mini ou Vivaldi ou un peu l'autre. N'a besoin de lien en bas vidéo pour nous télécharger Vintoy si nous besoin. Moi même n'a besoin de lien comme ça. Là nous avons besoin de lien comme ça. Là, nous cliquons sur lui, là, fait nous, ça, clique tune. Veuillez patienter, tant ça défiler, ok? Pas courir à l'entrée dans l'entrée information initiale, bah, c'est pas ça, ok? Jusqu'à ce que nous gagnions, cliquez ici pour accéder au lien. Donc, nous juste cliquer là, comme dit nous, pour ne pas faire bêtises, dans le bagage, nous cliquons sur lui là, normalement, censé. Redirigez nous sur le site Vintoy. Ok, là, je clique ici là. Mais, site Vintoy. Ok, là, nous sommes sur le site Vintoy. Nous avons un petit bagage qui est très simple. Il n'est pas tellement compliqué. Bagage. Donc, son petit logiciel qui est open source. Vous allez voir. Usually, mais sous amélioration ou affaire. Ça qui est là, c'est que même là, que vous avez gagné un BIOS qui est en Legacy ou bien en UFI, là, fonctionne. Et ça, nous pourrons. Option pour nous cocher, nous pas louer ça tout à l'heure. Donc l'arrivée là c'est tant que plugin nous avons mouvement ça plugin Vintoy compatible test ISO document download et ainsi de suite. Moi même pas voilà dans notre mouvement yo. Si ma petit n'a regardé valet ISO qui est en fonctionné avec Vintoy déjà que vous êtes en vrai que Vintoy fonctionne à la veille. Ok, voilà tout ça c'est bah que vous êtes en testé. Donc nous gagnons à faire de 710 tested image file updating. Donc c'est tout ISO qui est en fonctionné qui est en fonctionné avec Vintoy déjà. Ok, donc nous pouvons lancer que download là parce que c'est Vintoy nous venons télécharger pour nous le faire clean one
fonctionnel. Donc là, nous avons trois versions. Nous avons Vintoy 1.0.43. Même deux trois versions, c'est la même version, sauf que fichier, tout dépend des systèmes d'exploitation utilisés. Faut faire attention. Donc là, c'est pour Windows là, qui c'est le principe là, qui me peut le décompresser avec WinRAR. WinRAR son utilité qui est tranquille, nous pas. On doit acheter tout, mais on doit utiliser comme ça. C'est même le quoi utiliser un système d'exploitation architecturé 64 bits, là pour fonctionner. Et même on va utiliser 32 bits là tout, là pour fonctionner. Ça n'a pas importe. Même le télécharger dans 32 bits, vous mettez sur 64 bits, là fonctionner. Et soit vous utilisez 64 bits ou installer sur 32 bits, là fonctionner. Ça c'est l'architecture système. Donc nous ça déjà. Donc ça tape.gz là c'est pour Linux. Et puis live CD is one capable d'utiliser le pour Windows tout le monde ou le ça. Donc on va prendre version Windows là qui c'est Windows.zplan. Attention, tout dépend des systèmes à utiliser. Ouais, donc là le pour nous sous GitHub là. Ok, sous GitHub Vintoy là. Et ça c'est version là. Ça c'est ouais, ça c'est. Et puis là nous gagnons effectivement Vintoy TGZ, ça c'est pour Linux, nous ça c'est une live CD, on apprend Vintoy ça là Windows.zip, c'est ça que on m'apprend. Donc cliquez sur lui, libre au fichier à console, on va faire OK. Ou si tout le monde fait OK, nous voyons que le parti la télécharger Vintoy, il va prendre le temps, son petit bail qui fait vite fait. Ok, là nous finissons télécharger lui WinRAR, comme moi j'ai installé WinRAR déjà. Le gâteau prend Vintoy en mail de nous, ça WinRAR qui n'a pas capable de décompresser WinRAR. Si c'était 7-Zip, nous tapons, c'est le goût 7-Zip là qui paraît. Donc, je vais faire ça, je vais télécharger la map, je vais décompresser nos fichiers qui est normal. Donc là, suivez bien pour nous faire barrer ou nous faire une nouvelle bêtise. Bon, je vais faire ça et puis après, je vais tester ça. Pour montrer nous ça que j'en ne fonctionne avec Vintoy. Donc côté de mettre là les mêmes, c'est pas là, il va là tout, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est... bon la mettez là. Ok, de toute façon c'est ISO que je prends pour mettre tout à l'heure pour Vintoy. Vous voyez là il y a un WinRAR aussitôt que vous prenez le relais là. Moi, WinRAR, c'est clic droit, extraire ici. Donc, si je veux extraire de l'autre côté, même si la même besoin, je vais mettre de l'autre côté. Si je veux de l'autre côté, je vais extraire le fichier. Voilà. Je vais le placer là, je vais faire ici. Hein. Et puis, nous avons un dossier Vintoy là, qui présente. Vintoy est affiché décompressé. Là, nous allons faire un double clic sur le fichier. Là, nous avons un petit dossier ça. Nous ne pouvons pas occuper pour l'instant. Nous allons aller dans Vintoy to disk. Donc ça c'est exécutable là, on clic droit sur lui, on lance les tanks administrateurs. Ok, les tanks administrateurs dame. Et puis nous fait oui pour nous confirmer. Bon. Ok, nous avons interface Vintoy là qui lance comme ça. Ok, nous avons une option langage là, nous avons là aller en anglais install. Donc nous devons changer langue, non, laissez la cliquer sur langage et puis nous allons choisir la langue que nous besoin. Bon, moi, créole beaucoup là parce que nous beaucoup travaillé pour ça. Donc, on va dire tutoriel ça, si nous partager, si nous abonner, c'est premier pas pour nous capables de créole là, comme ça l'est, puis nous devons converser ensemble avec nous là, pour converser dans la langue créole là. Ok? Et si nous pas travaillé pour ça, on va peut-être mettre le bon nom ça. Donc, ça c'est bon, t'as coup là, option ça là, t'as coup ce qui bout là, on a coché lui pour que ça, c'est ça pour le déterminer, même si système ou en lien, et BIOS ou en legacy, ou EFI, la fonctionné. Ok, si BIOS par exemple, un principe là, si BIOS ou en legacy, besoin installer et puis, bah ou en EFI, ou a aucune difficulté. Donc ça, la permet nous même les clients legacy ou EFI, ou à vous n'allez. Là, c'est clé qui le détecte. Ok? Donc là, c'est le disque qui va accéder sur ça. Là, on m'a fait sous clé qui est 32 gigas. Et puis, forme de tout, image ISO System, c'est une série de fichiers qui pisent en pile. C'est une série de fichiers minimum, il faut avoir 4 gigas. Ça veut dire que si on met un seul image,
stockage ISO sur un clé USB, il faut au minimum atteindre 4 gigas. Donc, vu que nous pouvons mettre plusieurs images ISO sous clé, ça, laissez-la nous-mêmes. On a fait calcul là, on a aussi 3 ISO pour que nous ayons un clé USB qui a fait 3 fois 4 là. Si c'est 5 ISO, il faut que nous partions à partir de là. Ok, on a un clé 32 gigas, on va mettre. Je dis à moi, je vais mettre Windows 10 là, et puis je vais mettre Windows 8 là, je vais mettre Windows 7 là. Mais pendant ce temps, je parle là, pourquoi ouais, Windows 7 là, là. Donc ça m'a fait, pour un petit pas sans savoir, je vais prendre Windows 7 là, pour mettre là, parce que, donc on va Windows 7 là, on va isoler Windows 7 dans le coin. Ça, ok. Je me dis 4, on a parlé de 2004 là, si je devais peut-être prendre là, mais son fichier qui est tellement. Bah, son fichier qui fait 11 gigas. La prend trop de temps. Hop, hop. Check Windows 7 là. Astuce là, comme il y a trop de fichiers là, je vais venir là, je vais taper Windows 7. Vraiment chercher toute Windows 7 qui est là, la bombe, tant que ça là. Si vous voulez, on va prendre là. Les amis, pas oublier abonner channel là, subscribe, pas même pas la subscribe, abonner, puis like, partager. On ne va pas aimer tout, mais bah, donc là, qui s'en apprend? On apprend ça, oui, on apprend ça. Je fais 3 gigaoctets, on apprend ça. On copie là, on va le mettre dans le dossier Vintor là. Mais pour ça, il faut que moi sorti là. On discute de ça. Hop, on va le bureau. Pour moi, le mettre Vintor, on va le mettre image de ça dans Vintor. Parce que pas de gain Windows 7 là, nous voyons que je gagne Windows 10 là, gagne Windows 8.1, on est bien. Voilà, pendant ça, copier, ça c'est dossier, normalement, ça c'est venu là. Moi-même, comme je gagne Windows 10 là, je prends, je mets dans le fil. Si je finis de créer le client, je retourne là pour l'instant. Nous finissons nous tous les paramètres ça là, tout correct, pas besoin de bah, encore. Si nous faisons ça, nous faisons là, nous correct. Vintor en local, ça ne va pas vous occuper de ça. Vintor sur le périphérique, on va pas s'occuper de ça. Donc, l'infin fait nous sélectionner clé, nous changer de langue, nous mettez ce que vous là, nous fait installation. Parce qu'il me mettait dans le français, il fait installation. Nous avons fait oui des fois. Ok. Puis, aussitôt que nous avons statut 1, 5%. Vintor a formaté clé, nous format PAL pour faire affaire PAL. Maintenant, ça fini. Et puis on a pu regarder en descendant ce temps là, je me dégaine pour acheter ton bagage sur internet là, on tout regarder la tout qui j'en vais au fait. Boum, voilà. Est-ce que ok, là les nos félicitations que nous regardons fin organisé, ok, on va faire, mais ça m'a retourné sous les après. Il dit nos félicitations que nous guettons formaté. Là que le film formaté, nous mettez Vintor là, et puis le segment mise à jour. Mise à jour, ça veut dire que à tout moment que Vintor est sorti une nouvelle version, parce que là nous voici 1.0.43. Si demain 1.44 est sorti, à de ce clic là, nous fait mise à jour sans problème. La juste cliquer là, nous fait mise à jour sans problème. Donc, on va se dire, faut me garder en bas moi parce que tous les téléphones sont là. Donc, ça va. On va nous correcter. Il n'est pas bloqué. Ok, là que nous sommes mis à jour. Je me dis, nous, si que Vintor est sous une nouvelle version, par exemple, en 44 la sortie demain, on va juste cliquer sur mise à jour et il n'est pas impacté. ISO qui n'a mettez au fond, n'a mettez la donne. Ok, n'a juste fait mise à jour tranquille. Et puis tout, ou bien possibilité, mettez
l'autre bagaille sous ça sous clé USB pour faire le bal mettez fichier nous avons un problème Windows avoir un problème avec ça donc là nous venons faire ça là nous venons faire ça nous pourrons aller dans nous et que client c'est ça limite en partition Windows là dedans donc là juste prend image nous nous glisser là dedans du again sinon nous doit faire un copier coller ok donc moi même prend l'image que je vais mettre nous avons un Windows 7 qui est en train de copier, nous avons un problème. Je prends 4 ISO ça, ok, qui c'est Windows 10 là, Windows, non, Windows 7 là, Windows 10 là, Windows 8.1. Je prends ISO de bien tout. Si je prends un PR5 là, je vais mettre le. Si je prends un Acron 10 là, je vais mettre le tout. Je vais mettre le problème. Il dit que chaque fois que je vais déployer en machine, si c'est Windows 10 machine a besoin, juste pour éclairer, je choisis. Et je choisis Windows 6 moi. Si c'est 8, je choisis Windows 8 moi. Donc je fais ça là, puis je vais aller sous clé qui est parti sur Windows là, je vais ouvrir. Puis je vais aller tout à fait là-dedans. Ça y est. Laisse ça, nous voyons ça, après, ça commence à copier là, tant que je finis de copier. C'est bon, clé nous, multi-boot. Ok, faut que tout finisse de copier là-dedans. Après, je vais montrer nous. Qui Jean qui ça la montre nous les pour aller faire manipulation absolue donc maintenant ça fait une copie ça capte longtemps parce que quand il fichier qu'a copié là on connaît 4 si tous les 4 fait on va faire des 4 gigas mais 16 gigas de fichier qu'a copié là pour bien que garder moins que ça donc ça capte un petit temps m'a checker m'a gérer la machine ça pour montrer nous qui Jean pour nous faire mouvement avec Victor les finir organiser ça donc mes amis, pas oublier abonner à la chaîne, partager vidéo et tout mouvement. Bon, je vais checker comment sur internet là. On fait attention et sur IB, je vais le prendre. Sur IB, je vais changer de chaîne tout parce que c'est pas sur compte ça en journée. Sinon, si nous tapons, bon, sur chaîne, sur page Smarttech 2.0. Qui toujours c'est moi même ça c'est pas en français qui n'a pas besoin de souli n'a pas capable de fonctionner ensemble avec elle. Ok donc ça c'est côté n'a pas vu de côté m'explique un paquet de bagages dans le secteur informatique là. Ok, voilà. Ça c'est vraiment, ouais, ça c'est lien ça me déclique sous lien. Normalement lien ça c'est normal que le voyons nous là. Ok, c'est normal que le voyons nous lien ça. Lien ça n'a pas capable. Ouais donc, moi t'ai dit que, on t'appelle. Parce que besoin, on a dit ça là. Besoin commander un écran pour iPhone ça là ok donc c'est là que je vais checker là pour m'organiser ça il faut ça pour changer écran si c'est intéressant tout le monde va montrer nos clients d'organiser ça mais ça c'est après oui là on tombe sur IB pendant ça copie là. C'est le cas pour un titan, nous regardons 12% régulier simplement. Là, je mettre batterie. Oui, pour iPhone 6. C'est un mariage comme ça. Ok, c'est ça. C'est ok, on a pu jouer ça. Il va battre donc. Il va battre tellement vrai. Il va battre une dernière. Hein? C'est écran. Voilà. Effectivement, nous voyons que nous avons fait. Ouais. Donc, pas trop cher tout parce que. Il faut trop cher le bon moi. Et il est en complet et tina tactile non non
Il faut me chier comme avec qui non. C'est que t'es français parce que la mieux. Ah, il est au chien, papa. Il est au chien. Il est au chien là. Normalement, ça, censé moins cher que ça. Il est au chien là. Il est au chien pour lui, chien pour lui. Ça, t'as coup. On peut le vite machin très vite la longue des mois la bombe là ou ça c'est un france qui vient de voir là. Ok, et puis là on a sélectionné modèle même son téléphone 6 que lui iPhone 6 plus nous avons besoin iPhone 6 plus iPhone 6 oh là là je pas gagné ça me besoin hein. Je pas gagné ça me besoin hein. Nous avons un problème. Nous avons veillé, nous avons cherché. Vous voyez qu'il va tellement cher. Je vous dis, si vous passez sous page là, on achète un bagage là, la bombe. Parce que nous avons fait un affiliate marketing ensemble avec vous. Tout ça, si vous avez un code bon, bon, moi, je vais faire un petit tour. On doit faire ça, c'est une bonne bagage. On s'en va comme si nous avons payé. Donc, là mon modèle là m'a checké 6 blancs. Ok, c'est ça que j'ai besoin. 28 euros qui était un bon là non à trop cher m'a prendre et que qualité à voir moi et bah moi lié mon game fonctionne avec la bonne problème mais c'était l'autre monde du bon bail qualité parce que ça pourrait nous connaître bon bail cher la plupart du temps qualité à correct quand même bah un cop scot moi mal fait que bail. Hop, ya. Mais pour qui ça le bagne là? Elle t'a bon moins. Du coup, là, je t'ai dit acheter un pour sélectionner. Là, bon, là, le 5 simplement le gain. Et si on cherche, moi. Ah. Bon, ça y est. Ça, bon, ça c'est bon. Ouais, en France qu'il y a 21 euros. Quel est chaque sur 21 euros à brésilien? Mais normalement, si on fait tout ici, parce qu'il est lié à chiron à mec et quand iPhone 6, ok. 30 euros, 18 euros, 15 euros, regardez tout ça, ou tranquille là. Ça, voilà, ça. Donc, après, tu es sous le là parce que je prends ça là. Mais ça, est-ce que ça va? Est-ce que ça, c'est en France qu'il y a? Je vais le prendre l'autre pays là. Je vais le prendre temps pour arriver là, le va bon. J'aime bien délai. Estimé entre le mercredi 19 mai et le 25 mai. Tout le temps ça, je vais attendre tout le temps ça parce que. Après ça, c'est que son site étranger qu'a vendu. Ça a touché. Ok, ça a été 90 euros. Après, si vous avez un modèle vendement là. Côté en France. On regarde un modèle. iPhone 6 blanc. Tac. Maintenant, on va en problème. Quantité en sel. Achat immédiat. Donc là, estimé le 17 mai. Lundi 17 mai et le mercredi 18 mai. Donc ça, bon. Là, je dis à nous 12. Faut que moi, ouais, si je ne peux pas faire ça. Puis vite. Parce que là, on prépare le téléphone pour le monde. Obligé veiller
bon mon téléphone y attend. Hop, 48 euros, ça voilà, 25 euros, ouais. Ça touche 23 euros. Pendant que, bah, m'a copié. Le vinto m'a copié tranquille, non un problème. Combien? 33%. Ok. Là, il y a ma chaîne où il faut chercher plus bon pour nous. On va y aller. Hop. Hop. 23 euros, regardez-moi. Regardez-moi. Ça, au moins qu'il est avoué, au moins 17 mai et 18 mai. Si c'est même bagarre là, je pense que moi chez moi, c'est très simple. Ah oui, il est là, même. Oui, ça me dégage dans ça déjà. Ça là, les mêmes, tiens, on l'autre un peu plus cher, qui est moins cher dans le marché, oui, mais c'est pour qualité, oui, on vient à 19 euros là, et ma patte, moi, vous voulez, moi, ça là, comme ça, puis ça vous est 17 000, 20 000, oui, modèle là, non, pas du tout, non, modèle là, 6. Couleur, ça me dit que c'est blanc parce que c'est une grosse ça que lui. Ok, là on est 14 et quelques. 6 blancs. On va expliquer. Bah voilà, c'est comme ça, on vient à faire dans ma chère sans problème. Qui tout dit, on a dit non, on n'a pas besoin de qui tout dit. Sans. On sait blanc, iPhone 6, boum. On est là, on va chercher. On va chercher 4 mois. Pour le bill. Ça, ok, c'est ça. On va prendre ça. 16 euros, on va y rouler. Et puis, ça, on a dit. C'est le code. Bon, on va y coder. On va checker le code ça, oui. Tac 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 tac, gratuit, les besoins gratuits, ok, on confirme les mêmes là. Ok, ça dit votre commande a été enregistrée. Ok, une fois que votre commande traitée, nous enverrons un mail de confirmation à l'adresse mail. Ok, donc là, on est comme commander. Donc m'a mettre fin, m'a mettre pause dans ce tutoriel là, après pour aller exercer, parce que là un peu 43% pour prêt pour finir. C'est moi qui m'a parlé trop. M'a prendre nous pour montrer nous que gens nous fonctionner avec clic nous fin préparer là. M'a espérer que nous dit attentif. Pas oublier like vidéo, attacher, abonner. À bientôt, à tout à l'heure. Bon. Ok. Ok. Nous finissons créer les USB multi-bout noir avec Vintoy. Pour nous, là, ça nous peut le faire. Nous pouvons tester les pour montrer nous qui gens que ou qu'à utiliser les USB ça que nous finissons préparer pour déployer machine. Nous pouvons tester ça là. Ça c'est que les USB là. Ok. Les ça n'a fait qu'on a mis machine machines sous tension, pour qu'elle va sous tension. Parce que si elle va sous tension, il n'est pas fonctionnel. Effectivement, ça a un correct. Et ça a branché. Non, il y a un problème. Il y a besoin de clavier. Parce que clavier comme ça là. Branchez-le,
clavier USB, ça fonctionnait. Mais sous ancien modèle yo là, nous avons un ancien clavier auto qui a fait des fois qui pas c'est ancien modèle yo, des fois brancher clavier USB ça yo, yo pas fait li il pas connaître pour ça parce qu'il pas connaître matériel à pas détecter parce que il pas pareil. Ou pas configuré pour détecter clavier. Donc, le conseil, ancien clavier IDE. Si ancien clavier ou là, bon, bah, il y a sous la main là. Mais oui, mais on l'est. Sinon, on peut te mettre. Bah, elle me chercher pour montrer nous. Mais, il y a nous brancher avec l'USB. Nous brancher le son pour USB. Ok. Nous avons pour USB devant. Bah, il y a à le mettre derrière. Nous allons mettre le derrière tout. Nous avons un problème. Bon, là, nous allons mettre. Et caméra à côté pour nous voir qui j'en a fait bah il fonctionner. On va montrer nous parce que c'est bon. On fait éclairer, oui, mais faut montrer. Bah, puis on pose, on va le placer caméra à côté pour nous voir. Ok, on croit que n'a pas j'ai mal à présent là sur l'écran là. Donc moi démarrer ordinateur faut que nous aller dans BIOS nous d'un coup normalement nous sommes censé écran limer là dans pas longtemps même si F2 même son bouton qui est présenté là ok si nous regardons ouais ça dépend des boutons ça qui voyez non côté mal dans BIOS là. Mal chercher côté pour moi mettre pour mal démarrer sous clé USB que mon clé USB côté moi gagné Vintoy branché sous là. Donc ma font tirer réglage là parce que non pas pour suffisamment pour autant des bruits moteur autant des bruits moteur mouvement donc moi si m'a qu'à continuer de l'aller encore plus la mon encore piqué là si n'a regardé pour nous ouais removable moi même on va voir là son notre préféré m'a descendre laisse un papier sous flèche ça yo bon bah continue pour clavier là parce que hey sous flèche qui là yo là sous flèche ça yo là sous flèche qui sous clavier là et puis m'aller dans secteur hard disk là hop on clique entrer tout dépend des BIOS qui n'a utilisé tout dépend des Mac machine qui n'a utilisé moi me sont assez c'est comme ça il fonctionne c'est un BIOS ou gain obligation pour aller changer l'ordre de démarrage là ça veut dire que en automatique BIOS la configuré pour démarrer sous disque du principal ordinateur bon là nous mêmes nous obligés BIOS ça lui même faut qu'on cherche clair pour lancer le sujet temporairement de l'autre façon oui na ouais ça il pas même il pas plus tutoriel là sélectionner son disque ça c'est non disque non clé USB on va pas l'autre nom donc ça c'est disque du principal machine là. OK moi même voilà sur son disque donc là c'est bootable add une carte sur une carte bah sur un lecteur sur une carte donc tu dois mettre système sur carte son carte mémoire tout ça fonctionne donc de l'autre façon regardez ça. Et puis, on dit que c'est son disque qui gagne Vintoy installé sur lui avec système nouveau. On clique sur lui. Aussitôt on clique sur lui, là, on voit qu'il fait nous ça. Mais comment Vintoy présente lui Vintoy présenté comme ça. OK parce que ça n'a pas si bah nous mettez sous clair nous ça c'est clair démarrer nous Vintoy
Et puis ça, c'est système exploitation que nous mettons sous client. Donc nous là c'est Windows 8.1 là, mais Windows 7 là, mais Windows 8.1 là, mais Windows 10 là. Et ça c'est Debian. Si nous avons l'autre bagage comme Midi 4, nous avons le paraître là tranquillement. Si c'est Midi 4, nous avons besoin. Là, si nous avons placé. Si c'était Kali Linux, bien ou si tu as besoin de mettre un PF5, c'est l'autre après le tout. Un Raspberry Pi, c'est l'autre après le tout. Ok, donc même nous allons font test, nous allons installer Windows 7 pour test, bien que Windows 7 pour la fin depuis 2014, mais nous venons de monde qui a utilisé toujours, nous venons de machine qui gagne toujours. Techniquement, bah nous, si nous avons une licence Windows 10, là, nous avons la possibilité d'installer Windows 7, nous utiliser licence Windows 7, là, nous migrer vers Windows 10, les simples pour avoir besoin d'acheter une licence Windows 10. Ça, c'est une technique. Bye. Donc là, je clique sur Windows 7, je m'entre. Je clique entrer. Là, ça veut dire que sous machine ça, c'est Windows 7, je vais m'installer sur lui. Je vais m'installer Windows 8.1, 10 ou l'autre. Je prends clé que je me prépare avec Vintor là. Je lance Windows 7, moi. Là, je suis tranquille. Installation lui-même, là, fonctionner. Ok? Avec le parti là pour installer. En général, son opération qui prend, on va faire de n'a petit une compter une. C'est le cas moi c'est de ça, ça dépend des puissances machines. Là, nous avec le dit nous que ça la charge fichier. Pour imaginer que vous gagnez voilà quatre systèmes que mettez là. Normalement, en temps réel, c'est quatre clients vous avez. Juste un seul clé USB, vous mettez tout sous lui, ou tranquille, l'offre finit avec ça, vous achetez. Alors, après, j'ai dessous 4 clés USB, puis. Bye, tout dépend. Après, on montre nos clients aussi pour nous configurer un serveur de déploiement. Et puis, il y a l'autre encore, tant pour serveur, qui sont utilitaires, qui permettent de déployer machine en réseau. Moi, je pour montrer nous ça. Dans l'audio. Vous n'avez pas oublié abonner à la chaîne là, like vidéo, partager aux amis proches nous. Puis activer cloche notification pour qui ça parce que ça c'est un petit bail vite fait. Il y a pile l'autre paquet qui a pris sur channel là. Si nous besoin informer nous sur le secteur informatique là, bah nous allons faire comme nous tous les fait ça parce que bah ça aussi voilà qui voilà le monde qui doit pouvoir faire un système d'exploitation de A à Z. Et puis que l'autre bagage qu'on m'a montré non, ça c'est après. Peut-être avec Windows 7 là, monter une série de bagages, mais c'est après. Nous avons fini de télécharger, nous avons starting Windows. Donc là, programme Windows 7 là, qui est en éjecté sur l'ordinateur. Donc là, il y a une configuration pour le faire. Nous avons des machines là, qui ont redémarré, enfin, qui ont grandi. Bon, ça, c'est un IRE qui est de nous, qui est de nous. Il n'y a pas de disque inséré, un disque dans le lecteur device. Bon, ça, c'est un IRE qui part tellement. Important ça si nous voyons lecteur device à disque tout ça veut dire qu'il pas détecter disque là mais tout à l'heure il peut le détecter donc on va faire continuer. Ok, on doit même bloquer ça, on ferme les j'en fais là. Ok, et normalement il reste à pas censé présenter mais comme machine ça c'est une machine qui est ancien lié. Il doit être bug qui paraît, mais elle va empêcher nous faire ça dans le fait. Donc là, nous avons installation Windows 7, nous partie là. Nous avons langue qui est en français. Nous n'avons pas besoin de créole là, nous avons besoin de nous mettre en français en créole. Nous avons le mouvement pour ça. Nous qui chargé pour commercialiser l'en créole là, la pensée avec nous.
Nous avons travaillé dans le secteur informatique là, nous avons un logiciel fait façon pour communiquer avec nous. Pour ça, nous mettons là dans l'institution, dans n'importe donc toute l'autre langue. Pour ça, nous avons parlé, il faut parler langue en propre, même les qui m'ont fait errer. Ma promette m'a fait effort pour qu'on fait nous comprendre bah dans bon temps m'a mis dans langue la caille pour ça ne pas besoin de maîtriser l'autre langue pour faire bah fonctionner et travail qui manque dans secteur pas non bon et format et LEA n'a quitté en France tout parce qu'en français il est en détecté de barre clavier n'a quitté en français donc ok ça là nous quitter comme ça moi même fait suivant là nous fait installer maintenant si tu veux réparer ordinateur c'est là qu'on doit aller je dis c'est pas ça. On doit aller ça, on dit nous faut que nous l'île avant nous installer. Si nous pouvons aller à quelqu'un sur lui, na ok na li. Moi je suis en lieu déjà, on va prendre tout ça. Donc on attend que j'en pour nous installer ça. Donc installer maintenant. Ok, ça c'est Windows 7, hein. Windows 10 là sont l'autre. Bon, pour se dire pas tellement compliqué, mais les différents de Windows 7 là. Ok, on bon, on va en faire ça déjà. Et puis on les va montrer nous que j'en pour nous déployer Windows 10 nous va sans problème. Ok, là le dit-nous, démarrage du programme d'installation. Donc, on est obligé d'éteindre. Là, on va le détecter sur si REC de l'Italia, ce qui dit cela pas détecté. Si dit cela pas détecté, il n'y a pas de. Donc, après, nous va regarder si dit cela fonctionnel ou pas fonctionnel pour changer. Voilà. Donc, là, on est obligé d'accepter. Après ça c'est pareil pour nous les tout si nous venons à descendre la ligne on est en système là dedans déjà et puis voilà tant que le logiciel comprend le logiciel du système d'exploitation d'ordinateur ce logiciel n'inclut pas le service Windows Live Windows Live est un service disponible auprès de Microsoft au titre d'un contrat distinct donc eh bien, vous me dites, vous regardez. Ça veut dire que si vous avez besoin d'utiliser Windows Live, vous comprenez que c'est un contrat pour signer avec Microsoft de plus pour être capable de joindre. Ok, ça c'est un avertissement qui n'a besoin. Quand plus l'autre encore, c'est une appli. Hein. Donc, on m'a fait modèle de licence. Voilà. Il est nous là modèle de licence le logiciel est concédé sous licence en vertu d'une licence par copie et par ordinateur et un système matériel physique doté d'un dispositif de stockage interne capable d'exécuter le logiciel une partition matérielle voilà on est en train de faire ça on nous fait ça. Ok, j'accepte les termes. Nous arrivons là, Si nous besoin mettre le niveau, nous cliquons là, même pas conseiller nous faire ça. Ok, ça c'est le tag Windows 7 de machin, nous que temps déjà. Nous pas besoin de faire ça. Après, nous devons faire pour nous passer à Windows 10, mais ça c'est après monter nos procédures. Donc là, nous finissons, choisir personnaliser. Ok, option avancée. Cliquez là et là ça c'est disque dur normalement si il y a été correct à l'heure nous allons faire tout ça ou là donc là c'est partition dis là getan partitionné get pour balle donc là c'est ça 71 giga deux fois on a fait calcul là on voit combien giga disque dur ça gagne plus 5 giga ou plus ça donc pour nous mettre ça ou dans l'ordre ok get pour balle là on a une petite technique supplémentaire. Et tirer ça parce que son disque dur va pas bien passer. Ce sont disque dur qui est envahi déjà. Donc, procédure, il faut que nous appuyions sur chiffre, sur bouton chiffre là. Ok, sur flèche là. Là. Normalement, là, c'est le bouton qui est en bas clavier, hein, qui est en bas bouton majuscule là. C'est les flèches là. La plupart des claviers où elle marque chiffre avec chiffre là, flèche là sous lui. Sous ça là, son clavier HP qui est tout simplement une flèche là. Et nous cliquons sur les puis nous allons appuyer en même temps sous F10 là. C'est notre F10 qui est en l'air là. Nous allons aller mettre des marques. Attention, mettez-nous en garde. Technique ça là que nous allons montrer nous là sont techniques qui peuvent
effacer toute bagaille qui gagne sous disque dur. OK, donc ça dit que sous ma monta gagne bagaille que tu as besoin récupérer, c'est pour ça vous voulez faire réinstallation ou rien plusieurs autres techniques, vous voulez faire ça, on t'a conseillé nous pas faire si n'est pas important sur disque dur. Mais si qui sont disque dur, si machine qu'on encadre pas maintenant là, son machine qui m'a déployé pas gagne bagaille la dernière, ma petite technique là pour mettre toute bagaille ça yo et pour me dépassionner de cela, me faire une seule partition. C'est ça que fait ma fait. Nous même si ouais qu'il y a un bagaille qui est important sur disque dur, n'a choisi une partition, nous installer système là sans nous pas faire technique que me va faire là. Mais si nous besoin formater disque dur, c'est ça. Attention parce que me parle ton disque. Donc dire c'est D I R. Ça c'est liste là que nous va organiser, nous ouais tout mouvement que on a des agents plus bas, nous doit faire à partir de là. OK, donc bon puis je dis à c'est pour lui faire installation ensemble avec nous. On va aller faire l'autre bagage qui est pour faire, on a fait CLS là pour nettoyer l'écran CLS. OK, nous tout bas effacer là et puis on va lancer un bagage qui veut les dispatch, un outil doit travailler dans l'interface parce que là nous avons l'interface ligne de commande là, c'est commande qui va le mettre, on va le dire disk path. OK, nous lancer première commande ça, nous quitter le fait ça la peur tant déjà machine là étant relamoué là parce que commande là nous entrons dans là, nous on délie un mouvement et puis si nous fait liste disque, c'est comment qui va le faire, nous mettez toute partition que vous avez là, les 1 2 3 4 5 10, on va mettre une seule fonction. Donc nous avons disque dur, nous allons faire, nous allons tout espace avec, donc nous allons dire select disque, plus loin nous mettez 0. OK, là il dit nous le disque 0 est maintenant sélectionné. Maintenant on est capable de juste clean en faisant, en tapant clean ici à là. OK, là pour nettoyer tout mouvement ça là, tout mouvement là. OK, ça il dit nous dispatch a réussi à nettoyer le disque. Donc à partir de moment là, nous devons faire exit ici là. OK, ça me saute banou là li intéressant pour nous faire exit là. Il y a l'autre panne encore. Ça va réparer parce que des fois le bios sont en IFI. Ou il est sous son neutral et dispatch. Ou l'on va besoin dans l'autre bios pour le mettre des IFI pour le faire tout bagaille pour le fond USB en IFI parce que si le bios est en IFI. Ou net fait ou lancer outil dispatch là. Ou dispatch là ou capable de fonctionner. Là, le fait que nous voyons le même genre, c'est le fait que nous gagnons pour nous faire un back ici, souffler ça, nous cliquer là et puis nous retourner encore sous personnaliser. Nous voyons que partition vient à console, vient disque dur vient en seule façon qu'on y a là. Nous une bagarre l'autre bagarre là et puis nous voyons que c'est 153,4 gigaoctets qui est disponible pour installer le système sur le sélectionné ça là. Nous fait suivant, c'est ça, c'est dit ça, c'est sur disque qu'on a installé système non, nous fait suivant. Et puis installation Windows 7 nous lancé là, donc nous obligé de finir tout ça au fini là pour nous capable faire suite là. Ça c'est avec Cleaving Power là qui m'a fonctionné ça m'a venu là. Ça c'est une opération qui prend pile temps, donc m'a mis pause parce que tu dois la dire tout longtemps et on va le voir en pile là, nous va dire bah là moi là nous est 10% sensiblement là, nous est copie des fichiers de Windows qui est en effectué lit qui est en fait lit et décomposition des fichiers Windows à 4%. Donc c'est ça qui prend plus de temps, installation des fonctionnalités ça pas prend pile temps, installation des mises à jour ça pas prend pile temps et puis à la fin d'abjoindre fin d'installation. OK, donc là personne obligé quitter ça arrive jusqu'à 100%. OK,
ok, nous avons machine qui a démarré là, tout bas est fait en forme là, et qui est en éjecté le système là. Ah, il a fait là. Cette nous fin préparation le programme d'installation vérifie les performances vidéo, donc ça on est obligé comme ça a fini. Voilà comment vous fonctionnez avec un clé USB multi-boot. Mais utilité li, mais tout mouvement. Ok. Ok, là, on zoomé. Est-ce que nous pas. Nous pas finir bien. Là, c'est entrée un nom d'utilisateur. Là, nous allons mettre le nom que nous voulons. Hein. Même si on va tester le nom, on va mettre le nom compliqué. Nous-mêmes, ça dépend. Si c'est un particulier, on va mettre le nom ou non. Donc ça c'est session pour le fonctionner sans avec là, donc mettez passer tout simplement. On a mettez même nos ordinateurs à tout, nous avons un problème Acer et puis Acer PC, c'est comme ça le présenter. Donc nous faisons suivant. Ok, on fait suivant là. Là, si nous gagnons que les produits, c'est avec une licence. Là. Ok, normalement, nous sommes censés une licence pour nous installer le système d'exploitation Windows. Donc, même si nous va gagner un clé, nous avons dit que ignorer là. Pour l'instant, après, nous allons l'activer. Ok. Je vais découcher ça à tout parce que nous allons l'activer ça de l'autre façon après. Bon, activation, c'est. Je vais montrer que je fais ça parce que je vais une façon d'activer, elle va tellement commode. Je vais montrer que nous jouons, mais pour l'instant, là, par sécurité, je ne vais pas faire trop bas. Donc, même si c'est client qui n'a pas installé, tout prévenu, il faut que le clé, faut que le clé licence, faut que le licence, là, clé de produire. Ça c'est Microsoft qui vend ni, c'est Windows qui vend ni, c'est ça qui permet bon, qui dit que vous doit utiliser le système d'exploitation Microsoft là en toute légalité. Donc là nous fait ignorer parce que bah sinon m'a cherché que les licences là, si son installation qu'on a fait, c'est à dire que ma bah nous l'en quatre façons. Si que c'est une machine qu'on a acheté avec nous, ok, on a acheté machine tout neuf, là le petit problème la préfère installation clé licence, ça li sur une étiquette qui normalement collé sur machine là, la chercher n'a besoin. Ok, on m'a fait ignorer pour l'instant, ça sont machine qui va bah m'a utilisé m'a activé d'une autre façon, on fait ignorer. Ok, là nous on va utiliser ça recommandé et puis installer la journée m'a fait recommander. Là et puis ça c'est l'EA, si nous besoin mettre les directement, donc juin 2006, ça c'est pas date là, ça c'est qu'il laisse ça là, va bon parce que nous avons une possibilité de connecter à internet parce que l'EA va correct. Donc nous en 2021 là 2020 voilà. Nous en 2020, on a choisi 2021 là, et puis nous en mai, et puis nous combien je vous dis, normalement nous 15 je vous dis, la même possibilité de changer les atouts, les anatomités, là, on a mis ça là, et puis 36, tout ça, c'est des détails qu'on fait. Comme ça, dès qu'une boîte connectée avec internet, là, on a mis 37, on va avoir un problème.
parce que ça c'est vraiment un problème pour connecter à internet. Donc nous fait OK, nous fait suivant. Et puis finalisation, voilà. Donc ça marque à Windows finalise vos paramètres. Voici un Windows 7 professionnel que vous mettez bas là. Bienvenue. Bienvenue. Préparation du bureau. On va nous être tranquillement. C'est comme ça pour nous. Cliquez les petits boutons, les boutons tranquille et puis fonctionne avec l'entreprise ou comme la caille. Comme bail le voisin, voisin, conseil qu'on travaille au commencer. Et puis voilà, il y a un système d'exploitation qui finit installé sans problème, tranquille, avec clé multi-bouton. Nous utilisons Vintoy pour nous faire ça. Et puis, je vais mettre fin dans le tutoriel là. Faut que nous pas oublier abonner channel là. Ok, pas oublier chez vidéo ça. Bye. Donc on a obtenu une fin bah là pour voir que ça a fonctionné. Donc définition de cette marque là. Zoomer trop. Windows 7 nous qui finesse fonctionnel là nous tient bas là nous cliquer n'a besoin de bagaille là parce que on a pas besoin d'internet parce que quelque temps nous pas connecter sur ce réseau voilà mais Windows 7 nous tranquille sans problème sinon regardez performance mouvement ça là. Là, menu, nous gagnons RAM qui est installé avant plus. C'est juste pour tester ensemble avec nous. Là, nous avons 30 jours pour nous activer. Nous avons le produit, nous faisons activer maintenant. Voilà. À bientôt pour l'autre tutoriel qui est venu là. Très prochainement, pour vous qui s'allie, je vais choisir un thème informatique pour faire ensemble avec nous. Abonnez et puis, que le texte salue nous. À bientôt.